Alors, à chaud. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est plus dur que la plongée, je crois. Je crois que ça... D'abord, en fait, non, je savais n'importe quoi ce que je veux dire, je pense. Vas-y, comme tu le sens. Comme je le sens. Je dis pardon pour toutes les critiques que j'ai pu faire ce dernier mois sur le montage, parce que forcément, moi, je vois tout ce qu'on n'a pas mis dans le film, tout ce qui existe dans les rushs, toutes les anecdotes drôles ou pas drôles, toutes les autres images de ses lacans quand il est de dos, de gauche, à droite, de face, dessous, dessus. Moi, j'aurais voulu faire 5 heures de film. Hein. Et on n'a pas le droit à la télé. Il est super, ce film. Hein. Non, après, je voudrais pas en faire des tonnes, mais ça serait cool qu'il n'y a pas toute l'équipe, puisqu'on était plus de... Une vingtaine qui sont venus de France et de Suisse d'ailleurs, mais il y a aussi tous les Sud-Africains, donc tout le monde n'est pas là. Mais ça pourrait être sympa que. Alors on va les appeler tous, voilà. Un par un. Ça, je vais demander, bien sûr. Tout d'abord à Gilles Kibali, le réalisateur, qui est venu nous rejoindre. Accompagné avec Thibaut Rémy, notre plongeur, c'est Pierre Hollande, que vous avez vu ce matin. Le médiaman, Manuel Lefebvre. Olivier Michel, le cadreur. Alexis Barbier-Coupé, le génie récent. Pascal Courtin, le concepteur, vous l'avez vu, de cette fameuse caméra que l'on a nommée la caméra girafe. Fabien Lagrou, photographe plateau. Ils sont... Qui sera représenté dans cette magnifique aventure? Alors, je dirais aventure humaine, au départ, partie d'une passion que tu as été obligé de partager pour t'entourer de tous ces gens. Alors moi je dirais c'est une aventure humaine, mais c'est aussi technologique, c'est psychologique, c'est de l'émotion. Alors comment est venu ce projet tout de même fou? Je sais, bien, je sais bien qu'on avait préparé plein de questions. Là, oui, mais en général, on est mieux dans l'émotion spontanée. Non, c'est venu d'un... Ça revient de très très loin, de très longtemps. Je crois que c'était même avant l'université, des livres de zoologie. Moi, ma première passion, c'est d'aller voir sous l'eau ce qui se passe et d'aller débusquer des bestioles, voilà. Et forcément, le Sélacanthe, quand on nous l'apprend, à l'école, au lycée ou à l'université après, en tout cas, à l'époque où moi j'étais à l'université, la perspective de plongée, c'était vraiment juste une sorte de fantasme, de petit délire. C'était improbable, on ne savait pas le localiser. Les seuls endroits où on potentiel était à des profondeurs totalement inaccessibles, au-delà de 300 mètres, et les techniques de plongée autonome n'existaient pas vraiment. Donc voilà, c'était juste un délire. Et on a eu à cœur de plonger. Je pense que quand on a ça chevillé au corps... moi, je voulais être cosmonaute, hein, au départ. Mais cosmonaute comme dans la science-fiction, les vrais. Ceux qui vont voir des extraterrestres. Et j'ai très vite compris que ça n'existait pas. On n'allait pas très loin quand on allait dans l'espace, en fait. La seule façon d'assouvir ce truc-là, c'était vraiment d'aller sous l'eau. Il y a des extraterrestres à aller voir. Et en plus, on a la même tenue que les cosmonautes. Donc, on s'y croit. Alors, cette passion de filmer et de se dire, bon, voilà, maintenant, il me faut travailler avec le monde. Alors... Ouais, c'est le paradoxe de la plongée profonde. Au fond, on se sent seul. Profondément seul. Et en même temps, des plongées profondes, ça ne peut pas se faire tout seul. Et encore moins une expédition comme ça, avec autant d'ambition.
engagés, ça veut dire voilà. Tous les risques. Et encore une fois, ce qu'il fallait surtout, c'est une complémentarité. Je ne dis pas que mes copains ne sont pas compétents, hein, loin de là. Mais ce qu'il fallait surtout, c'est qu'on s'entende. Et le projet, il est né avant tout de rencontres avec des gars qui sont devenus des amis, quoi. Et d'ailleurs, il en manque, hein, il y a des frères gentils de Suisse qui ne sont pas là, qui ont été dans l'eau. Hein. Yannick a fait toutes les images, les vidéos. Voilà. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est une, et il fallait vraiment ça. Il fallait vraiment qu'on s'entende bien, parce que c'était quand même... Je dirais pas que c'est un peu qu'on est maso, mais c'est très anxiogène quand même. La plongée elle-même, je vous jure qu'elle est sublime, que c'est vraiment du plaisir quand on est au fond dans le canyon, c'est magnifique. Mais ça, c'est tout petit. Voilà, c'est tout petit, c'est des minutes. Alors c'est des minutes d'éternité. Toute ma vie, elles seront. Voilà, je vais. Mais voilà, il y a avant, il y a après, c'est très long, et c'est là qu'il faut tout le monde et qu'on s'entende très bien, qu'on fasse des choses très sérieusement et surtout sans jamais, en tout cas en essayant de jamais se prendre au sérieux. Voilà. Et c'est très bien et on voit le résultat. Alors, si c'est très bien justement de profiter de laisser aussi la parole à notre réalisateur, donc Gilles, peut-être aussi de dire finalement cette passion commune et qu'est-ce qui vous a amené finalement et comment il vous a amené à vivre en fait cette aventure avec lui. Moi, ça fait juste 10 ans que je le suis. On a commencé sur Ushuaïa ensemble, on a mis la tête sous la glace, on a même commencé dans des atolls. Voilà, on a fait un peu le tour du monde avec Laurent, et ça fait longtemps que ce projet nous trotte dans la tête, et puis il m'a filé le virus. Et puis voilà, donc on a œuvré pour ce film qui fait 90 minutes, qui sera diffusé sur Arte. C'est une mission, effectivement, pour des plongeurs, mais n'oublions pas qu'il y a l'aspect scientifique. Il y a toute une équipe de scientifiques du muséum. Il faut juste... leur rendre hommage parce qu'ils ont super bien joué le jeu, même vis-à-vis de la caméra, c'est pas simple pour eux. Donc il y a plein d'équipes, les équipes sous l'eau, les équipes au-dessus de l'eau. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont restés sur Zodiac aussi. On a passé des dizaines d'heures sur Zodiac à les attendre et à essayer de témoigner de leur plongée magnifique. Alors ils arrivaient sur Zodiac, mais ça faisait déjà 4 heures qu'ils avaient eu le poisson. Donc ils avaient passé l'émotion et donc moi avec ma caméra je tournais et peu de choses émergeaient, donc voilà, mais j'avais l'intention d'y aller tous les jours parce que je savais qu'à un moment donné ça allait se déclencher, quoi. C'est toute la difficulté de ces films-là, ça reste des documentaires. Il n'y a pas de fiction, il y a quelques beaux mouvements certes, mais il n'y a pas de fiction. Le film, il s'est déroulé, pas l'histoire, s'est déroulé comme ça s'est déroulé dans le film. Pas de drame, c'est-à-dire vous êtes vraiment sur l'instantané. On est sur l'instantané, le scénario c'est pas un scénario, c'est un synopsis qu'on a. C'est des intentions, c'est tout, c'est très difficile d'écrire les séquences à l'avance. Donc voilà. Et une dernière petite précision, le film que vous venez de voir, mes petits camarades là, ils le découvrent en même temps que vous. Il est tout chaud du plan de montage. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser, il y a des petits défauts dans la bande, dans le son, et j'aurai à cœur la semaine prochaine de les corriger. Je passe une semaine en mixage, voilà, c'était juste une petite... Il faut mettre des sous-titres en anglais pour ma grand-mère aussi. Voilà, donc c'est un bonheur, on pensera pas à la grand-mère. Mais c'est donc pour eux, je pense que ça me fait plaisir de voir, c'est d'autant plus d'émotion pour moi parce que je ne savais absolument pas quelles allaient être leurs réactions à tous. Et de le faire ici au milieu de vous tous, public voilà, averti quand même, votre premier regard et leur premier regard, il est d'autant plus fort pour moi et pour Laurent, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'émotions. On ne sait pas, franchement. Même Laurent, il l'a pas vu étalonner et mixer en même temps. Là, il y a un pré-mixage et d'étalonnage, il l'a pas vu. Effectivement, j'ai subi toutes les critiques parce que je lui ai envoyé des bribes. Je suis un peu long tête, mais je lui ai envoyé des bribes de maquettes et il me disait ça va pas, mais il l'a jamais vu réellement. Donc c'est pour ça que je crois qu'il y a eu autant d'émotions sincères de sa part. Et puis voilà, je vais passer le micro aux autres. Voilà, peut-être l'un de l'équipe, un des plongeurs par exemple. Les caissons, même jusqu'à trouver une solution. Pour passer les paliers plus facilement, car c'est peut-être une grosse... ça peut paraître accessoire, mais quand on est au fond, c'est vrai qu'on compte les minutes qui vont arriver après et comment réussir à les passer le plus facilement. Et d'abord, c'est effectivement cette question, ça nous aidait sous l'eau à aller au plus loin. Après, voilà, ouais, ça c'est pour l'aspect technique. Après, merci à Laurent déjà de nous accompagner en permanence, de nous transmettre cette passion au quotidien, et puis merci à Gilles d'avoir su la montrer, et effectivement c'était une grande joie de la découvrir là,
en direct et d'avoir pu revivre cette mission telle qu'on l'a vécue. Et c'était peut-être ça le plus difficile, de réussir à être sincère avec tout ce qui s'est passé, comme dans un vrai documentaire, sans rentrer dans un scénario préjoué, où on ressent vraiment telle que la mission s'est déroulée. Voilà. Merci à vous deux. Parfait. Alors, je vais parler de la technologie. J'avais Pascal Courtin, vous avez, parce que là aussi, on arrive même dans ces cas-là, eh bien, à innover, à inventer. Et c'est vous le concepteur donc, de cette fameuse machine. Hein, ben, vous parlez du concepteur de la girafe. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que là, c'est quand même une idée un peu folle. Et puis de voir Laurent qui, en voyant arriver, entre guillemets, le prototype, avant qu'il soit même testé, de dire, ben non, il me faudrait maintenant imaginer un bras articulé, parce qu'il faut qu'il aille aussi sur un plan latéral. Tout ça, ça vient instinctivement au fur et à mesure que l'on découvre et qu'on avance dans cette aventure, surtout sur un plan technique. Tout à fait. Moi, j'aimerais déjà remercier Laurent de nous avoir approchés pour ce projet qui n'est pas du tout commun, de mettre deux caméras de vitesse à 2 mètres d'écart, à 120 mètres de fond, faut y aller. J'aimerais féliciter toute l'équipe de plongeurs. En voyant le film, je me suis vraiment dit que j'avais fait la partie la plus facile. Moi, j'étais derrière mon ordinateur, dans mon petit atelier avec mes petits tournevis. Et quand j'ai plongé avec la caméra girafe pour tester l'étanchéité, je me suis vraiment demandé comment vous alliez faire pour amener ça à 120 mètres de fond. Alors, bravo. Bravo. Alors, on peut l'applaudir parce que c'est vrai que c'est une grosse technologie. On n'imagine pas effectivement que plus on descend de la plus la pression est importante. Et comment va réagir le matériel à cette profondeur? Bon, ça, c'était pas vraiment un souci. C'est pas humain quand même, c'est une girafe, mais c'est quand même de l'aluminium. Elle supporte plutôt bien la pression. Quelqu'un d'autre qui pourrait s'exprimer? Allez, qui prend le micro? Manu, allez Manu, je passe mon micro. Que vous dire, moi je suis arrivé, je pense que j'étais le dernier appelé, je me suis occupé du blog, donc j'étais un peu le témoin de l'expédition. Tous les jours je faisais une vidéo, j'en étais un. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Donc voilà, bah, je peux vous dire qu'en tout cas par rapport au film, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une transcription parfaite. Et puis sinon, bah, pour moi, du moins qui restais à terre tous les jours, bah, c'est quand même inquiétant. Tous les matins, ils font une bascule, ils partent à plus de 100 mètres de fond, et reste très longtemps. Et on a des inquiétudes, forcément, on attend quand cette tablette sort de l'eau, il y a un texto qui part du bateau, on a des... comment? Et du coup, il mange, parce que ça doit donner un petit peu de pression. Ouais. Et donc, on a ces inquiétudes, et le jour où... Bon, pour la petite histoire, j'ai pris 8 kilos en Afrique du Sud. Je pense que maintenant, c'est dit, on m'en mettra plus avec ça. Voilà, ça ne se voit plus, vous les avez perdus depuis. Il m'en reste encore quelques-uns. Ça fait du lest. Donc, bah, pour finir, ouais, mais le jour où ça s'est fini, moi, j'étais aussi très content. Il n'y a pas eu de soucis, mais sur une expédition comme ça, c'est quand même... ouais, bah, c'est pas les vacances, on est inquiet. Bon, bah, allez. Allez, on a fait un petit peu de temps pour vous. On a un petit peu de temps. Voilà. Ouais, juste par rapport à le travail qu'a fait Manu, ça peut vous intéresser. Peut-être pas tout le monde. On a essayé de faire vivre l'expédition au jour le jour. Donc il y a un site, il y a un blog avec une vidéo quotidienne pendant les 40 jours de l'expédition. Donc voilà, c'est très facile à trouver. Expédition Gombessa, c'est la projet, enfin c'est la carte projet Gombessa, enfin, c'est facile à trouver. Et voilà, si vous voulez revivre certaines anecdotes, certains moments, d'autant que ce ne sont pas des images tirées du film, c'est les images que faisait Manu au quotidien. Bon, on lui donnait quelques images sous-marines de temps en temps. Et enfin voilà, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus des coulisses ou d'autres anecdotes, il y a ce site et c'est, bon, je sais que ça a été apprécié et que c'est rigolo. Voilà. Merci. On a encore un petit peu de temps. Alors, je sais pas, mais moi je m'imagine là dans le public vivre ça. Est-ce que peut-être il y a des interrogations? Peut-être que quelqu'un a envie de poser une question? Est-ce qu'il y aurait une question? Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question? Levez la main si vous voulez poser une question. Soyez pas timide. Soyez pas timide. Et au début du film, on essaie de passer vite sur l'histoire. Alors, le premier a été découvert en 1938. Voilà, en 1938, dans un filet de pêcheurs en Afrique du Sud. À cette époque-là, d'ailleurs, donc la description a pris un an.
En 39, il y a eu une description officielle qui est tombée et qui a été beaucoup contestée. Enfin, on avait des soupçons, mais c'est pas possible, c'est une imposture, c'est un canular de taxidermiste, c'est pas vrai. Parce que véritablement, c'est comme si à cette époque-là, on avait dit on vient de capturer un dinosaure dans la forêt. Ça a fait le même choc dans la communauté scientifique. Et le chercheur qui a fait cette description a souffert de ça. Et donc s'est entêté toute sa vie pour prouver qu'il avait raison. Il va mettre 14 ans pour trouver le second. Donc le second arrive qu'en 1952 seulement, aux Comores. Bon, entre-temps, il y a la guerre, tout ça, c'est peut-être pour ça que ça traîne. Et à partir de 52, là, on sait vraiment qu'ils existent parce qu'on trouve ce deuxième sélacanthe aux Comores. Et là, les Comoriens, eux, apprennent au monde occidental que le sélacanthe, ben oui, ils le connaissent. C'est un poisson un peu mystique, un peu sacralisé. Qui capture de temps en temps après une tempête, tous les deux ans, il y en a toujours un qui arrive ici, il l'appelle Gombessa. Voilà. Et là, du coup, ça devient une frénésie, quoi. Les chercheurs du monde entier veulent des sélacanthes pour répondre à toutes les questions de l'évolution, ils vont tout comprendre voilà, le chaînon manquant, enfin bref. Et donc là, c'est une petite catastrophe parce qu'il va y avoir des centaines de sélacanthes une bonne centaine de sélacanthes qui vont être pêchées au Comores. Au risque de faire disparaître une espèce qui a traversé la nuit des temps. Puis aujourd'hui, maintenant, elle est un peu plus protégée. Voilà. Et puis, à partir de là, le sélacanthe, il devient célèbre. Ça devient un cadeau de chef d'État à chef d'État. Un cadeau officiel pour des musées. Enfin, ça devient un animal connu. Et on en trouve... on commence à s'apercevoir qu'en fait, il y en a ailleurs. Il y en a un qui a été pris dans un filet à Madagascar, un autre en Tanzanie, un autre au Mozambique. Et puis, régulièrement, comme ça... Il ne se passe pas deux ans sans qu'on n'en trouve pas un. Et voilà, en 98, on s'aperçoit qu'il y a aussi un sélacanthe en Indonésie, de l'autre côté. Voilà. Donc, il y en a plus qu'on ne croit. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont traversé 65 millions d'années sans laisser aucune trace fossile. Et voilà. Mais pour autant, on n'a que des animaux morts. De 38 jusqu'à 1985, où là, on a les premières images faites avec un sous-marin. D'un sélacanthe vivant à travers un hublot. Il y avait un très très beau reportage il y a un assez grand nombre d'années, au moins 15 ans sur Thalassa, qui était très très beau, où il y avait une interview de Marjorie Latimer, cette conservatrice qui est allée chercher ce premier sélacanthe dans le filet du pêcheur. Voilà. Et donc 85, c'est les premières images du sélacanthe vivant. Et il faut attendre quand même 2000 pour que Peter Thiem, au cours d'une plongée un peu par hasard, puisqu'il avait en quelque sorte renoncé à chercher les sélacanthes après des expéditions infructueuses, tombe sur un sélacanthe en Afrique du Sud. À ce moment-là, les sélacanthes en Afrique du Sud, le dernier qu'on a trouvé en Afrique du Sud, c'est 1938. Après, tout se passe aux Comores, ou plus au nord, et en 2000, ça réapparaît. À ce moment-là, Mandela prend la parole, fait un grand discours officiel en disant que désormais l'Afrique du Sud a à la fois le plus vieux et le plus gros animal terrestre, le crocodile et l'éléphant, et le plus gros et le plus vieux animal sous-marin, la baleine bleue et le sélacanthe. Voilà. Donc, et ils créent un parc, ils étendent un parc qui était littoral un parc marin, enfin, ça prend une dimension énorme. Voilà. Et moi, en 2000, j'ai appris ça, et puis il a fallu 10 ans pour qu'on se décide à aller plonger. Voilà, j'ai fini. Voilà, vous avez la passion, et ça n'a pas la passion. En tout cas, on va vraiment vous applaudir tous à nouveau. Juste dire que ce film pourra être vu sur Arte avril ou mai 2014. C'est ça ? Exactement. Voilà, donc vous pourrez revivre cette émotion. En tous les cas, merci. Merci beaucoup à vous tous. Et l'année prochaine, il y a un livre. Et puis, vous pourrez aller le voir sur son stand si vous voulez discuter avec lui et toute son équipe. Je vous remercie beaucoup, vous savez que ça va continuer. Par contre, on vous demandera juste une chose, les gens qui veulent sortir, s'il vous plaît, on vous demandera de sortir de ce côté de la salle. Merci beaucoup et on continue avec les projections. Merci beaucoup. Merci beaucoup.